Assalamu alaikum mes frères et sœurs. Nous continuons, incha'Allah, notre série de rappels sur notre bien-aimé, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je vais donc vous raconter aujourd'hui un résumé de sa biographie. Sachez mes frères et sœurs que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est né à la Mecque honorée le lundi 12 de Rabi'ul Awwal de l'année de l'éléphant. Sa maman s'appelle Amina bint Wahb, son papa Abdullah ben Abdul Muttalib et sa mère de lait s'appelle Halima al-Sa'diya. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a reçu la révélation à l'âge de 40 ans. Il se trouvait dans la grotte de Hira quand l'ange Jibril alayhi sallam est venu lui apporter la révélation. À la Mecque, pendant 13 ans, il a appelé les gens à l'islam. Puis il a fait les jeûnes rebénis à Médine sur ordre de Allah. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est mort 10 ans après les Jirbini. Et il a été enterré là où il décéda, dans l'habitation de son épouse Aïcha, qui est accolée à la mosquée de la Coupole Verte, El Masjidul Qubbatil Khadra, la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine illuminée. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et vivant dans sa tombe. En effet, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait fait savoir que les prophètes sont vivants dans leur tombe et qu'ils y accomplissent la prière. Je demande à Allah qu'il nous accorde de suivre correctement la voie de notre bien-aimé Mohammed, le meilleur des envoyés. Nous continuerons, incha'Allah, une série de rappels et un pour thème l'histoire de notre bien-aimé Mohammed, le meilleur des envoyés. Barakallahu fikum wa salamu alaikum. مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سر يا نسيم إلى العقيق مبكرا متحملا مني السلام